Bienvenue chez moi pour mon chez-moi temporaire. Un chez-moi de 3 mois à la Cité des Arts. Donc on va parler de mon travail et peut-être un peu de moi et d'autres choses. J'ai toujours fait des choses, dessiné, bricolé, aussi parce que je viens de la campagne. Et donc c'était aussi mon occupation et mon rapport au monde. Je suis beaucoup en déplacement de choses que je récupère dans la rue, que j'achète en seconde main ou quoi. De façon générale, c'est très lié au mode de consommation occidental qui va avec une profusion d'objets, interroger l'architecture dans laquelle on vit, la façon dont on consomme, la façon dont on mange. Pour le projet Air Liquide, qui est un projet récent, je me suis beaucoup attachée aux emballages qui sont liés à ce qu'on respire, enfin les sortes d'air, gaz. Donc Air Liquide, c'est une entreprise qui met en cloche des gaz pour le médical. Il y a eu aussi les cartouches de protoxyde d'azote qui ont deux usages, faire de la chantilly ou partir dans des états secondaires. Voilà, c'est aussi le double sens des objets qui m'intéressent. Un des éléments, ce matelas précaire, avec les capsules de protoxyde d'azote qui après du coup suggèrent l'imaginaire du rêve, de la fête. Je suis arrivée il y a 3 semaines et j'ai encore 2 mois et demi. Alors ici c'est le cockpit un peu. C'est là où je réfléchis, travaille à l'ordinateur, dessine, écris. Je suis très heureuse d'être ici. La résidence est quelque chose que je pratique régulièrement depuis plusieurs années. La première volonté, c'est voilà, de se confronter forcément à d'autres rencontres, notamment à la Cité des Arts, puisqu'on est dans un vivier d'artistes. Donc ça permet forcément de déplacer ses points de vue, notamment parce qu'il y a des artistes du monde entier. Donc voilà, d'autres modes de représentation et d'autres usages de l'art en général.